33305 habitants. C'est le chiffre de la population de la Guyane à la sortie du recensement de l'année 1961. Un début des années 60 plein de promesses pour la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, qui dans l'attente d'une activité industrielle voit s'implanter la Cocoba, la compagnie du Maroni qui par la suite prenait le nom de Seafarm. Société à capitaux nord-américains tournée vers la pêche à la crevette. La société exportera jusqu'à 1700 tonnes en 1967. Une région du Maroni qui voit également se confirmer en ce début des années 60 sa vocation au développement d'une économie forestière. L'ouest guyanais entre Saint-Laurent et Mana où s'installent Société Forestière et Siri, tournée entre autres vers l'exportation. Des sociétés forestières françaises qui ont choisi d'opérer en Guyane, délaissant les pays d'Afrique à la recherche pour certains d'un équilibre politique en ce début des années 60, marqué par l'accession à l'indépendance d'anciennes colonies françaises. Sur le plan agricole, la production reste faible. La culture de la bâtie prédomine et à l'exception d'un petit nombre, la commercialisation n'est pas une priorité pour les agriculteurs guyanais. Commercialisation rendue difficile, il est vrai, par les difficultés de communication tant fluviale que routière, en dépit des efforts réalisés sur la route nationale numéro 1 pour une circulation par tout temps entre Cayenne et Saint-Laurent. L'impulsion au secteur agricole pourrait être donnée par la réutilisation des terres basses de vase bleu, à forte teneur en potasse et azote notamment, qui du temps de la colonie produisait café, cacao, canne à sucre. Sur la rive droite du Mayuri, une zone de 350 hectares est aménagée pour une expérience pilote. 150 doivent être plantés en bananier et un rendement de 30 tonnes à l'hectare est envisagé. C'est le polder Marianne, une expérience sans suite. Il fallait déjà, à mon avis, apprendre aux gens ce que c'est qu'un polder. Ensuite, comment exploiter un polder? Il n'était pas évident pour un Guyanais qui fait son abatis de travailler sur un polder. C'est pas vrai. C'est une culture tout à fait, et c'est, comme on pratiquait la culture en Hollande, ben ça n'avait rien à voir avec certaines pratiques de l'agriculture en France ou ailleurs. On n'a jamais mis en, je dirais, dans la balance la formation agricole. On disait, bon, comme on était inapte pratiquement à tout, on peut faire un agriculteur, ce qui est une grossière erreur. En fait, en ce début des années 60, la seule exploitation d'importance à se maintenir est celle de la canne à sucre. La canne à sucre qui fournit une production de 22 000 tonnes en 1962, destinée exclusivement à la fabrication du rhum. Sur le plan politique, l'activité parlementaire du député Kataillé, élu en 1958, vise à une prise en compte des questions politiques et économiques du département. Kataillé, qui sans opérer un rapprochement avec les dirigeants de l'Union du peuple guyanais, noue tout de même quelques contacts avec les partisans de l'autonomie de gestion. Nous avions des conférences, des réunions communes avec Kataillé et Dern, qui était son adjoint à l'époque. Nous avions des petites réunions au cours desquelles nous échangeions nos idées. Mais il y avait quand même une divergence fondamentale entre la position tenue par Kataillé et celle que nous avions. Cette divergence tenait au fait que Kataillé ne voulait pas s'enfermer au départ dans un statut rigide. Et il a toujours prêché le flou. Il a parlé d'un statut spécial sans le définir.
Tandis que nous, nous voulions expressément dire d'avance ce que nous voulions et fixer le cadre dans lequel il nous serait possible d'envisager un avenir pour la Guyane. Le 29 septembre 1961, les responsables de l'UPG et du PSG signent un nouveau mémorandum pour une réforme administrative de la Guyane. Le texte est également paraphé par le sénateur Georges Guéril et les représentants de la SFIO et des partis de droite UNR et URG. La droite guyanaise qui s'interroge sur une réforme qu'elle souhaite à l'intérieur du cadre départemental ne rejoint pas les partisans du Front démocratique guyanais qui voit le jour le 1er mai 1962. Front démocratique fondé par Léopold Eder et qui regroupe la totalité des partis de gauche, des syndicats et qui appelle à une importante manifestation pour protester contre la situation économique et sociale mais aussi contre l'ordonnance de 60 interdisant aux fonctionnaires en poste outre-mer de faire de la politique. Après une halte devant la préfecture, les responsables des différents mouvements, mais aussi le député Kataillé, s'expriment sur la nécessité de donner à la Guyane une certaine autonomie. À la tribune, côte à côte, Eudoxie Vérin, Léopold Eder, Justin Kataillé, Hugues Sirder. On assiste à un rapprochement des thèses de l'UPG et du PSG, mais subsistent tout de même des points de divergence. Nous, nous disions qu'il fallait accorder la priorité aux politiques, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord résoudre le problème des liens que nous avions avec la puissance coloniale qu'est la France, avant d'envisager ce que nous pourrions faire pour faire démarrer la Guyane. Tandis que Kataillé lui disait, mais non, il faut quelque chose de très élastique, de très souple, nous n'allons rien définir, nous laisserons au gouvernement français le soin de définir le statut qui sera spécial pour la Guyane, mais pour l'instant, ce que nous devons faire, c'est parler d'économie, voir un peu si on peut faire démarrer la Guyane. Un mois et demi plus tard, le 14 juin 1962, très précisément, le Front démocratique décide d'organiser un nouveau mouvement de protestation, alors qu'en France, Kataillé doit intervenir à la tribune de l'Assemblée sur la situation économique et sociale du département. Ce front-là a décidé d'organiser une manifestation pour soutenir, pour montrer aux médias à l'époque, que Kataillé avait l'appui de la population. Cette manifestation du 14 juin est aussi l'occasion de protester contre la décision du gouvernement français d'implanter en Guyane un détachement de la Légion étrangère. Il faut voir le niveau d'information qu'on avait à l'époque. Parce que les gens disent, bon, maintenant les légionnaires font, mais il faut se mettre ce qu'on entendait quand on parlait de légionnaires, c'était quelque chose de terrible. La manifestation est interdite par le préfet, mais l'information est connue trop tardivement des organisateurs rassemblés à la Maison du Peuple. Les gens, très tôt, sont arrivés déjà depuis une heure, les gens venaient en masse, et subitement, les gens ont entendu qu'il fallait que le préfet, il y avait une interdiction de faire la manifestation. Les gens disaient, ah oui, ils peuvent pas, ils vont faire quand même la manifestation, on va faire une épreuve de force, on va faire la manifestation. Et naturellement, de suite, on a su que les gendarmes allaient quadriller la place des Palmistes pour faire évacuer les gens. Les leaders, ils ont dit aux gens, nous ne pouvons plus faire la manifestation là, mais vous pouvez vous rendre tous au local du PSG. Il s'ensuit une intervention des forces de gendarmerie pour disperser les manifestants. Plusieurs blessés et une série d'interpellations. Dans un télégramme adressé au Premier ministre, Joseph Symphorien, président du Conseil général, dénonce l'utilisation de la force à l'encontre de la population. À la tribune de l'Assemblée nationale, Justin Kataillé s'élève vigoureusement contre la répression qui a frappé les manifestants de Cayenne et quitte l'hémicycle pour rentrer dans son pays après avoir déclaré « C'est peut-être la dernière fois que je prends la parole dans cette enceinte ». Le 22 juin, le député de la Guyane embarque à bord du Boeing 707 Château de Chantilly. Mais Kataillé ne devait plus revoir la Guyane. Son avion s'écrase en Guadeloupe dans la région de Déhé, bilan 110 victimes.
Dans la presse, on s'interroge sur les causes et circonstances de cet accident. Les obsèques de Justin Catayé, quelques jours plus tard, donnent lieu à des funérailles officielles, suivies par une foule impressionnante. Suppléant de Justin Catayé, Léopold Eder lui succède à l'Assemblée nationale et prend la tête du Parti socialiste guyanais. Candidat du Front démocratique aux législatives de cette année 62, il est élu devant le maire de Cayenne, Roland Barra. La même année voit l'entrée de l'ancien préfet Robert Vignon au Sénat. Il succède à Georges Guéril de l'UNR, qui de son côté proposait également un statut spécial évolutif pour le département. La droite UNR-MPG, qui se regroupe au sein de l'Union avec à sa tête Paul Relier, Roland Barra, Joseph Saint-Faurien, président du Conseil général, et le sénateur Vignon. Des hommes qui sont eux aussi favorables à un pouvoir exécutif et législatif propre à la Guyane, mais qui se situe dans le cadre départemental. Nous sommes en 1964, une année qui voit pour la troisième fois la venue du général de Gaulle, la seconde du président de la République en 4 ans. Peut-être pour répondre lui-même aux demandes des différents responsables du département sur une réforme du statut et les différentes propositions présentées par les uns et les autres. Premier arrêt pour le chef de l'État, Matoury, où il s'entretient avec le maire Raoul Roumillac et son conseil municipal. Mais on attend surtout le discours du général de Gaulle pour cette visite des 21 et 22 mars 1964. En ce qui concerne la Guyane, tout le monde sait, et moi, croyez-le bien, le premier, combien difficile dans ce département est le développement en raison du très long temps pendant lequel la France, après avoir d'abord beaucoup espéré de la Guyane, s'en était, il faut le reconnaître, non pas désintéressée, mais quelque peu détachée. Cette période est terminée. Le chef de l'État qui annonce d'autre part l'ouverture d'une période nouvelle pour le département. Nous avons à réaliser, vous, sur place, et la France avec vous, une grande œuvre française en Guyane, et une grande œuvre dont on s'aperçoit dans toute la région du monde où se trouve le département. Il faut qu'on le voie et qu'on le sache partout. Nous avons commencé et nous continuons. Vive Cayenne, vive la Guyane, vive la République et vive la France! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous. Le 22 mars 1964, après avoir assisté à une messe solennelle à la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne, le général de Gaulle quitte la Guyane sans avoir abordé avec les responsables du département la question de la réforme ou de l'évolution du statut à laquelle il tenait tant, toutes tendances confondues. En réalité, le général de Gaulle n'était pas l'homme à entrevoir une certaine indépendance pour la Guyane. Loin de là, au contraire, il aurait souhaité avoir une Guyane encore plus française. Mais n'empêche qu'il écoutait tout le monde. De la même façon qu'il a eu l'occasion de dire « Vive le Québec libre », etc. Et une autre phrase qui a fatigué les gens en parlant de Québec. Eh bien, c'était la même chose qu'il pensait de la Guyane. Il voulait d'une Guyane convenable. En fait, Charles de Gaulle, en parlant d'une grande œuvre au rayonnement international, faisait allusion à la décision du gouvernement français de développer en Guyane les activités spatiales françaises.
Les premiers travaux débutent en 1965. La commune de Kourou, sur laquelle prend naissance le CSG, ne compte alors que 600 habitants. Le centre spatial guyanais qui va s'étendre sur 1200 km² conduit à la disparition du bourg de Malmanouri, dont les habitants expropriés sont relogés à Sinamari. C'était là que mes parents habitaient. J'allais tout le temps chez eux. Alors, quand ils ont été expropriés pour rentrer à Sinamari, c'était plutôt... Moi, personnellement, ça m'a fait mal. On semble oublier peut-être qu'à Malmanouri, il y avait quand même toute une infrastructure. Il y avait l'école, il y avait la gendarmerie, il y avait tout à Malmanouri. Il y avait un bureau de poste, il y avait tout. Enfin. À Kourou, les choses s'accélèrent. On assiste à un bouleversement du paysage. Les Kouroussiens, avant les Kayenais, découvrent un autre mode de vie, comme en atteste ce reportage réalisé pour la télévision nationale. Aujourd'hui, Kourou possède le caractère d'une petite ville de province et le plus grand magasin de Guyane. C'est celle-là qui nous parle toujours. Le 15 janvier 1967, c'est la naissance de la télévision. Elle est l'occasion de la venue en Guyane d'Alain Perfitte, ministre délégué chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales. Il est accompagné du directeur général adjoint de l'ORTF, André Astou. Un séjour de M. Perfitte, marqué par une visite à Kourou pour un contact personnel avec la population, concernée par l'implantation du centre spatial. Une visite également pour rassurer les personnalités du département, à qui il déclare « Je suis venu pour voir, pour écouter, pour décider ». Et le ministre d'assigner au centre spatial guyanais la vocation de promouvoir le développement du département. Sur le plan politique, cette période voit Léopold Eder, leader du Front démocratique et du PSG, succéder à Roland Barras à la mairie de Cayenne. La création par Turenne Radamont du syndicat UTG en 1965, à l'occasion du 20e congrès de l'Union départementale CGT. Arrive l'année 1967 et une élection législative qui doit confirmer la position dominante du député sortant. À Léopold Eder, la droite guyanaise oppose Hector Ivirez, qui crée la surprise et l'emporte. Lorsque je me suis présenté pour la première fois en Guyane, j'avais été appelé à la fois par l'UDR, qui n'avait pas ce nom-là à l'époque, oui, je crois que oui, et puis le mouvement de Vignon. Et à la vérité, ce n'est pas moi qu'on a élu, ce sont les frères Rivirez qui étaient restés sur place et qui avaient de très très bons amis. Au fond, j'ai bénéficié de la popularité de mes frères. On a pensé... On faisait des meetings où il n'y avait pas de place. Les gens venaient, mais il y avait beaucoup de curieux. Et les gens à ce moment-là, les gens modérés, qui écoutaient les discours, il suffisait qu'un orateur ait prononcé une phrase qui donne la peur aux gens pour que toute cette frange de personnes qui étaient censées vouloir voter pour nous puissent partir ailleurs. Hector Ivirez élu au premier tour avec 5690 voix contre 4790 à Léopold Eder. Le 9 avril 1968, c'est le premier tir d'une fusée en Guyane. Une fusée sonde du nom de Véronique qui fait du centre spatial guyanais un centre opérationnel. Avril 1968, qui voit également l'arrivée du premier Boeing à Rochambeau, donnant à l'aéroport son statut international. Tandis que sur le fleuve Kourou, le pont est en construction. Nous avons affirmé plusieurs fois au cours de ces jours le caractère anticapitaliste, anti-bourgeois de notre lutte. En France, un conflit prend naissance.
celui des étudiants. Ils réclament une modernisation et une transformation des universités. Leur mouvement s'étend à l'ensemble des secteurs d'activité, paralysant le pays durant près d'un mois et perturbant l'organisation des examens de cette année 68, y compris dans le département. Mai 68 nous apporte un mois en France où les écoles sont fermées. Et on a déjà tiré les sujets du bac. On les a déjà mis sous enveloppe en France. On les a déjà envoyés, dispatchés. Alors, certains de ces sujets contiennent des programmes qui auraient dû être professés en mai et au début de juin. Alors, comment faire? Le gouvernement décide de nous donner un oral de contrôle. Ça, c'est le mot de M. Edgar Four, ministre de l'Éducation nationale. L'oral de contrôle est un mot tout à fait nouveau. Hein? Il y aura un oral, pas d'écrit, pas d'écrit. Alors, l'oral de contrôle pour le baccalauréat consiste pour chaque élève à choisir deux sujets. Il sera interrogé sur deux sujets qu'il va indiquer au secrétariat du lycée. Évidemment, il va choisir les deux sujets dans lesquels il se sent le plus fort. Et voilà comment l'oral de contrôle se passe. Nous avons des élèves qui avaient choisi l'EPS et qui ont eu 18 sur 20 en EPS. Le début des années 70 est marqué par une actualité sociale importante. Grève dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics à l'appel de l'UTG. La revendication porte notamment sur un salaire horaire de base de 4 francs. Un mouvement de grève accompagné d'occupations d'usines et de chantiers qui conduit à des manifestations de rue et à des heurts avec les forces de l'ordre. L'UTG, dont l'assise ne cesse de s'élargir, réclame pour la Guyane l'indépendance nationale à son troisième congrès qui se tient à Sinnamary en septembre 1973. Une année 1973 qui a vu au mois de mars la réélection d'Hector Ivirez. Un scrutin attendu dans la mesure où l'élection de Henri Agarande du PSG aurait donné au parti de Léopold Eder le seul poste clé qui lui manque. Au moment de cette élection législative, les postes de maire de Cayenne, de président du conseil général et de sénateur de la Guyane sont détenus par le Parti socialiste guyanais. Et la droite connaît quelques difficultés. J'étais très préoccupé par les difficultés rencontrées par les deux partis qui étaient mes soutiens. Le RDG à l'époque, dirigé par Albert Cyril, et puis le RPR, dirigé par mon ami Ruillier. Et ils n'étaient pas d'accord sur le choix de mon suppléant. Et j'ai été sauvé de tous les ennuis grâce à M. Dédé, qui a accepté d'être mon suppléant pour seulement 5 ans. Par conséquent, je n'ai pas eu l'impression d'un référendum. Peut-être que mes amis l'ont eu, en ce sens que 3 ans après, nous avions perdu le Conseil général. Nous avions perdu la mairie en 1971. Nous n'avions pas la mairie de Cayenne, mais enfin, nous avions perdu la bataille des municipales. Et la 73 a été une revanche. Quelques mois plus tard, Léopold Eder, qui avait été porté à la présidence du Conseil général en 1970 et avait eu l'occasion de demander à Pierre Messmer, ministre des départements d'outre-mer, la transformation du département en territoire autonome, perd son siège de président au profit de Claude Ohachuc, qui, avec d'autres conseillers qualifiés d'indépendants, ont choisi de se désolidariser du PSG. De ce début des années 1970, on retiendra également sur un plan général l'escale en Guyane du supersonique Concorde, lors de son vol inaugural qui le conduisait à Rio de Janeiro. Le supersonique franco-anglais touchait le sol de la Guyane 5h et 45 minutes après avoir quitté Toulouse, respectant ainsi à la minute près son plan de vol. La Guyane, après 4h30 de vol effectif et une escale d'1h15 à Sals, dans les îles du Cap-Vert. L'équipage, André Turquin en tête, devait être accueilli à sa descente d'avion par le préfet de la Guyane, M. Manfray, et par le maire de Cayenne, M. Eder. Cet après-midi, Concorde prend le chemin du Brésil. Il est attendu à Rio vers 14h50, heure française, après avoir survolé, et c'est une grande première,
l'Amazonie. Thank you.